originario, grazie professore, ai nostri ospiti, grazie al professor Sergio Curioso, grazie ai dottorandi, agli studenti e agli amici. E io ho subito la parola al professor Sergio Curioso, che è l'editrice del Centro Cartesiano e anche l'ideatrice di questo seminario che felicemente si prolunga di anni. Tengo a ringraziare molto anche il supporto del dottorato che ha finanziato questo seminario. E do soltanto, prima di dare la parola alla professoressa, quindi al professor Cambucinetti, essere il primo relatore, una comunicazione di servizio, perché essendo la professoressa Pescermann, che era prevista per domattina alle 10, non alle 10, quindi non verrà, e abbiamo deciso di anticipare il professor Garber domattina alle 10. Quindi il seminario di fatto terminerà prima con la sessione pomeridiana. Quindi credo che intorno alle 17:30-18 avremo finito. Quindi l'inizio di domani è sempre alle ore 10, poi invece dalla professoressa Pescermann vi sarà il professor Garber. Mi sembra di non aver omesso nulla, ho soltanto quest'altra informazione, che questa sessione è ripresa, quindi verrà trasmessa in diretta sul sito Facebook del Centro Cartesiano, su qualche altro sito connesso, e in taccio, quindi do la parola alla professoressa. Io vi ringrazio a mia volta di essere stata invitata a portare i saluti, a dare il benvenuto a tanti ospiti, a tanti amici, a tanti colleghi che anche quest'anno, come ha ricordato Don Agostino, anche quest'anno sono qui per partecipare ad un seminario che ormai si vede che ha tanti anni, no? Che da tanti anni diciamo, si tiene normalmente questo esercizio. È un appuntamento importante, è un appuntamento al quale molti studiosi cartesiani, c'è un nucleo, c'è un nucleo principale, ma poi ci sono, diciamo, si allarga ad altri studiosi, giovani studiosi, io vedo appunto la partecipazione dei giovani che si stanno formando e che devo dire, è importante che vengano qui, perché, ecco perché, come diceva un grande maestro che abbiamo perduto da poco, cioè Giulio Regoli, i giovani ci fanno leggere, cioè ci fanno vedere con occhi nuovi le cose che abbiamo già letto, quindi portano suggestioni e stimoli che noi magari non riusciamo più a vedere, quindi è importante. E a proposito di Giulio Regoli, voglio chiedere, ecco, che con sua memoria, dopo aver ricordato che non solo il seminario cartesiano, ma il centro cartesiano, diciamo tutta questa grande tradizione, non solo la tradizione, forse è una parola forte, ma forse non lo è, questo inizio di studi cartesiani che vede Lecce, arrivata da Guido Agostini, che Lecce al centro, non più in periferia, all'interno del panorama di studi sul 600, tutte queste cose debbono molto a Giulio Regoli. Perché Giulio Regoli, certe volte vedete le cose che si conoscono, dicono meno delle cose così come sono state. E Giulio Regoli è stato al fianco del gruppo che ha, diciamo, che ha messo in moto, insomma, che ha fatto nascere, tutti italiani e francesi, che ha fatto nascere il centro nazionale, cioè è stato un grande, non solamente è stato quello che ha spinto molto, che ha, a parte il fatto che ha cominciato il suo insegnamento presso questa università, ma poi se ne è allontanato e che ha notato con grande interesse quello che si veniva facendo, ha creduto in quello che si sta facendo, ha aiutato le persone più anziane, ma ha creduto nei più giovani, perché voglio dire, io ricordo con Emilio Agostini quando andavamo a casa di Giulio Regoli a discutere di questioni legate agli studi cartesiani. Quindi è stato vicino a molti di noi, qui abbiamo degli allievi di Giulio Regoli. Io non ho tutti i giornali italiani, ma anche gli stranieri, insomma, ricorderanno, io tra l'altro avrei
voglio l'occasione per chiedere di pensare, di organizzare una giornata dedicata proprio alla figura dello studioso, perché certamente Giulio, che è stato un grande rivista, è stato anche, ha scritto poco, ma le cose scritte sono fondamentali, su Descartes, su Passanti, le scritte molto di più, insomma, voglio dire, sono veramente cose fondamentali. E io, proprio per tutte queste cose che ho detto, chiederei appunto di un minuto di silenzio per rispettare la memoria di memoria. Le décès de Tullio Gregori, comme on
pas informé, nous avons, et concrètement, je m'associe à ce qui a été dit par M. Curioso, et dommage qu'il y ait et qu'il y sera rendu de la part des collègues italiens, donc nous avons perdu un grand savant, les études ont marqué. Les travaux marqués, les études sur la classique, bien au-delà des frontières de l'Italie. Je n'aborderai le thème assez important de ce séminaire que sous un angle bien spécifique et je voudrais d'abord m'excuser d'avoir annoncé un titre bien ample. La puissance de la pensée, ça n'est pas une expression cartésienne. Je voudrais donc plutôt parler d'un pouvoir. Celui précisément qui est la certaine pensée, mais dont le sujet est la chose qui pense elle-même, la chose qui pense lui, c'est-à-dire l'esprit ou l'amour-même. Et à propos du pouvoir dont je vais parler, Descartes parle aussi du rapport de force. Il faudrait ici commencer par un ample examen lexicographique qui porterait sur l'usage cartésien des termes latins potentia, potestas et aussi facultas et vis et l'usage de leurs équivalents français. Et on constaterait plusieurs choses qui seront sans doute évoquées dans la suite de la journée par nos excellents collègues. Premièrement, dans les textes métaphysiques latins de Descartes, potentia s'attribue avant tout à Dieu, le sujet des méditations ne s'attribuant à titre problématique, ne s'attribuant qu'à titre problématique leur puissance d'acquérir d'autres perfections que celles qu'ils possèdent actuellement. Deuxièmement, que pour évoquer les capacités du même sujet, le latin préfère le mot faculté, facultas, le mot puissance, le choix du traducteur français étant inverse. Les traducteurs français disent faculté ou puissance de ceci, cela, et préfèrent le mot puissance. Troisièmement, une aussi stricte économie gouverne l'évocation d'un pouvoir potestas de l'homme, en tout état de cause incomparable à l'immense sa potestas de Dieu. Et quatrièmement, dans la strate la plus descriptive du propos cartésien, le pouvoir de faire ceci ou cela se dit vis, force. Et cela vaut particulièrement pour la relation de l'âme et du corps. Le pouvoir de l'âme sur le corps, c'est l'exercice ou plutôt l'actualité d'une certaine force qui sera ici l'essentiel de mon objet. Autre aspect des choses qu'il faudrait pouvoir explorer. Si au titre de la puissance de la pensée, il s'agit du pouvoir de l'âme, ce pouvoir peut bien sûr s'appliquer à divers objets, le corps n'est que l'un d'entre eux, on peut aussi parler comme le discours de la méthode, troisième partie, il n'y a rien qui soit dans notre pouvoir que nos pensées, du pouvoir de l'âme sur elle-même, sur ses propres pensées, et par là sur ses propres dispositions. On pourrait aussi parler d'un pouvoir sur les autres esprits. À la différence de Spinoza, allemand, Descartes s'est peu étendu sur ce dernier pouvoir, excepté dans la lettre à Goethe, oui, c'est un sujet passionnant que je n'explorerai pas ici. Quant à l'entier pouvoir de l'âme sur ses propres pensées, vous vous souvenez qu'il est à la fois confirmé et délimité par la lettre à Rémy de Bono d'avril ou mai 1638. C'est, dit Descartes, une vérité qui ne peut être niée de personne, au moins en prenant le mot de penser comme je fais pour toutes les opérations de l'âme, en sorte que non seulement les méditations et les volontés, mais même les fonctions de voir, d'ouïr, entendre, de se déterminer à un mouvement plutôt qu'à un autre, etc., en tant qu'elles dépendent d'elles, sont des pensées, mais ici nous frisons la tautologie, est entièrement en notre pouvoir ce qui dépend immédiatement de nous. Il n'aurait qu'à s'interroger sur la conscience et sur les conditions de cette dépendance. Ici encore, je m'en abstiendrai, non sans évoquer toutefois la relative
complication introduite sur ce chapitre, avec l'idée que certaines de nos pensées ont du pouvoir sur nous. Je cite les passions de l'âme, article 148, « Ces émotions intérieures nous touchent de plus près et ont par conséquent beaucoup plus de pouvoir sur nous que les passions dont elles diffèrent. » Je veux dire que ces pensées ont du pouvoir sur nous. Mais mon objet à titre immédiat, ce sera le pouvoir de l'âme sur le corps en tant que démonstration d'une force qu'a l'âme de mouvoir le corps. Qu'est-ce que ce pouvoir? Qu'est-ce que cette force? Textuellement parlant, la force qu'a l'âme de mouvoir le corps est une notion dont l'émergence dans les textes cartésiens a été très progressive. On en trouve par exemple aucune trace dans les Régulés, et cela bien que l'esprit humain y soit caractérisé comme le sujet ou le siège d'une certaine force, la force connaissante ou vis cognoscens. Mais c'est que le corps humain en tant que tel est absent de ce traité qui évoque tout au plus le pouvoir qu'a l'esprit de faire que de nouvelles images se forment dans cette véritable partie du corps qui est le siège de l'imagination. Dans la chronologie des textes cartésiens qui nous ont été conservés, les choses commencent avec le traité de l'homme de 1632-1633 à propos de la petite glande de TH. Qui est suspendue au milieu du cerveau et par laquelle les esprits animaux, parties les plus subtiles du sang, s'écoulent sans cesse dans ces concavités, les concavités du cerveau. Descartes indique qu'il y a deux causes principales, sans compter la force de l'âme, que je mettrai ici après, qui peuvent la faire mouvoir, la glande H. C'est le texte 2, j'ai rangé les textes dans par ordre chronologique, pour faciliter le repérage. Le traité se conclut toutefois, le traité de l'homme, du moins sa première partie, sans que l'auteur y revienne. En revanche, la lettre à Elisabeth du 21 mai 1643 parlera de la force qu'a l'âme de mouvoir le corps, comme à comprendre en tant que suite de dépendance de la notion primitive que nous avons de l'union de l'âme et du corps. Et le principe en sera régulièrement réaffirmé par la suite. Citons la lettre à la même Élisabeth du 6 octobre 1645, je ne l'ai pas dans le recopier. En l'homme, l'âme a quelques forces pour changer les impressions qui sont dans le cerveau. Et les passions de l'âme, article 34, la petite glande, c'est le texte 8, la petite glande, qui est le principal siège de l'âme, peut être vu par les esprits animaux en autant de diverses façons. Il y a de diversité sensible dans les objets, mais elle peut aussi être aussi diversement vue par l'âme. Le principe en sera largement repris dans la première partie du traité, par exemple à l'article 43, c'est le texte 12. Quand on veut imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vu, cette volonté a la force de faire que la glande se meut. La traduction latine dira « voluntas vim habet novendi blanter » en la langue qui est requise pour pousser les esprits vers les pores du cerveau par lesquels, par l'ouverture desquels cette chose peut être représentée. Alors nous savons tous que l'évocation de cette vice pouvoir est apparu à quelques-uns des premiers lecteurs de Descartes et à plusieurs penseurs de la génération suivante comme une sorte de scandale. Avant que Spinoza, sur la base de la traduction latine des passions de l'âme, se livre dans la préface de la cinquième partie de l'éthique à une charge un peu trop brutale, je voudrais bien savoir combien de degrés de mouvement l'esprit peut attribuer à cette petite glande pinéale, etc. La question avait été posée par Gassendi dans les cinquièmes objections, puis avec une parfaite netteté par la princesse Elisabeth, notamment dans sa réponse à Descartes datée du 20 juin 1643, c'est le texte 5. J'avoue qu'il me serait plus facile de concéder la matière et l'extension à l'art que la capacité de nous voir encore et d'en être élu à un être immatériel, car si le premier se
faisait par information, il faudrait que les esprits qui font le mouvement fussent intelligents, ce que vous accordez à l'âme corporelle, etc. Et pourtant, Descartes a maintenu ce point, particulièrement dans le traité des passions, son ouvrage, donc, sans en donner ni à Elisabeth, ni à le point de pouvoir de l'âme sur le corps, sans en donner ni à Elisabeth, ni apparemment à quiconque, ce qui aurait été reçu comme une explication en bonne et due forme. La question est celle de savoir s'il faut parler de désinvolture. Il n'y a guère de place pour cela, pour ces matières. Faut-il parler d'embarras de la part de Descartes? Mais celui-ci serait étrange s'agissant d'un point absolument central de l'anthropologie cartésienne. Plus probablement, le philosophe aura estimé sincèrement que la question ne se posait pas. Et il convient de déterminer, en rapport avec cette question de puissance et de pouvoir, pour quelle raison. Le premier point à remarquer, me semble-t-il, est que Descartes parle toujours de la force qu'a l'âme de mouvoir le corps sur un mode très objectif et presque physicaliste. Dans la lettre à Elisabeth du 21 mai 1643, la force qu'a l'âme de mouvoir le corps est en fait mise sur le même plan que la force qu'a le corps d'agir sur l'âme, en posant ses sentiments et ses passions. Dans la lettre du 6 octobre 1645, on lit aussi que l'âme a quelques forces pour changer les impressions qui sont dans le cerveau, comme réciproquement ces impressions ont la force d'exciter en l'âme des pensées qui ne dépendent point de sa volonté. Il s'agit donc d'une force réciproque, évidemment on ne dira pas des impressions du cerveau, on dira plus difficilement qu'elles ont le pouvoir de changer, ce qui est une dimension subjective plus marquée. Il s'agit donc d'une force réciproque à laquelle il faut reconnaître un caractère structurel. L'union de l'âme et du corps ne signifiera proprement rien si l'âme et le corps n'ont pas quelques forces pour provoquer l'une dans l'autre certaines modifications. L'expression « avoir quelques forces pour » doit d'ailleurs être détachée de la représentation d'une intention. Nous la trouvons en effet dans un contexte purement physique, dans la seconde partie des Principia, article 43, c'est le texte 6, un corps qui est joint à un autre corps a quelque force pour empêcher qu'il n'en soit séparé. Lorsqu'il en est séparé, il a quelque force pour empêcher qu'il ne lui soit joint, et aussi lorsqu'il est en repos, il a de la force pour demeurer en ce repos et pour résister à tout ce qui pourrait le faire changer. En somme, réduite à sa plus simple expression, réduite à sa plus simple signification. L'expression A a quelque force pour agir sur B veut dire seulement qu'il existe une relation régulière entre certaines modifications de A et certaines modifications de B, relation telle qu'il y a un sens à désigner la modification de A, donc en un sens A même, comme la cause principale de cette modification de B. Et la force de A est quantifiable si et seulement est quantifiable la modification elle-même qui est introduite en B. Autrement, elle se ramène à une simple propriété causale, en quoi force, pouvoir, vertu restent des termes largement équivalents. Pour ce qui est de l'exercice d'une certaine vice, force, pouvoir et vertu aussi, par l'âme, on peut donc en parler à chaque fois qu'une certaine intention ou détermination de la volonté, et ceci est assurément spécifique, induit ou semble induire dans le corps un certain mouvement ou un certain processus physique spécifique. C'est le cas dans le mouvement volontaire, dans le combat de l'âme contre sa passion présente, mais aussi déjà avec le mode volontaire de l'imagination et de la remémoration. Dans ce dernier cas, le processus physique est purement interne au cerveau, et dans tous les cas, il
le fait décisif est un certain mouvement de la glande pinéale qui est le principal signe de l'âme, et c'est à ce mouvement seul qu'a tenu le scandale. Ce qui a choqué de nombreux lecteurs de Descartes, même en suggérant, comme l'a dit Nietzsche, que la quantité totale du mouvement ne change pas, mais seulement sa direction, c'est que ce qui les a choqués, c'est que l'âme ait reçu le pouvoir de faire que la glande au milieu du cerveau se penche d'un côté déterminé, de manière à induire un mouvement déterminé ou à inaugurer un processus déterminé avec un résultat déterminé dans le corps ou hors de lui ou éventuellement dans l'âme elle-même reçoit l'effet de ce qu'elle a elle-même provoqué. À l'article 47 des passions de l'âme, Descartes va jusqu'à dire, c'est le texte il a dit souvent, oui c'est ça, c'est le texte 14, la petite glande qui est au milieu du cerveau pouvant être poussée d'un côté par l'âme et de l'autre par les esprits animaux, qui ne sont que des corps, il arrive souvent que ces deux impulsions sont contraires et que la plus forte empêche l'effet de l'autre. On peut alors parler d'un combat, d'une sorte de combat entre l'effort dont les esprits poussent la glande posée en l'âme le désir de quelque chose et celui dont l'âme la repousse par la volonté qu'elle a de fuir la même chose. C'est là un langage vraiment surprenant et qui conduit en effet à attribuer à l'âme à titre direct un certain effort qui est supposé être quantifiable, plus fort ou plus faible que l'effort physique que les esprits et animaux exercent sur la glande. Cependant, il faut contrebalancer ou même mitiger cette version des choses avec ce qu'on disait un peu plus haut à l'article 44. Ce n'est pas toujours, c'est le texte 13, ce n'est pas toujours la volonté d'exciter en nous quelques mouvements ou quelques effets qui peut faire que nous l'excitons, mais cela change selon que la nature ou l'habitude ont diversement joint chaque mouvement de la glande à chaque pensée. Nous apprenons ici que l'âme n'applique jamais directement une certaine force ou un certain effort à la petite glande. La force appliquée à la glande appartient bien plutôt à l'objet de sa pensée. Et c'est ce schème qu'on retrouve un peu plus loin dans un passage capital de l'article 47. Qu'arrive-t-il en effet quand l'âme entreprend de combattre sa passion présente? C'est le texte 15. La volonté n'ayant pas le pouvoir d'exciter directement les passions, ainsi qu'il a déjà été dit, elle est contrainte d'user d'industrie, un terme cartésien très important, et de s'appliquer à considérer successivement diverses choses dont, s'il arrive que l'une de ces choses ait la force de changer pour un moment le cours des esprits, il peut arriver que celui qui suit ne l'a pas, que celle qui suit ne l'a pas et qu'ils le reprennent, leur cours, aussitôt après, à cause que la disposition qui a précédé dans les nerfs, dans le cœur et dans le sang n'est pas changée, ce qui fait que l'âme se sent poussée, presque en même temps, à désirer et ne désirer pas une même chose. Le passif de la dernière formule est particulièrement remarquable. L'action de l'âme sur le cours des esprits animaux, en réalité, n'implique pas seulement la formation d'une certaine volonté ou commission, elle implique aussi et surtout l'appel à une imagination qui est la seule chose capable d'agir de manière directe sur les esprits animaux. C'est la formation d'une impression, d'une image dans le cerveau qui est ici le phénomène ou l'élément décisif, et non pas un mouvement considéré simplement comme tel, et produit, à plus forte raison, directement produit par l'âme. Et il n'y a pas d'indice
que cette condition admette des exceptions. Maintenant, nous sommes assez loin du problème métaphysique de la puissance, mais les conditions physiologiques de cette imagination qui change le cours des esprits demandent à être précisées. Pour que l'âme soit dite imaginer quelque chose, il faut qu'une image se forme sur la petite glande où est là son siège principal, mais il est tout aussi indispensable qu'une semblable image se forme dans ce que Descartes appelle la superficie intérieure du cerveau, c'est-à-dire les parois des concavités ventriculaires au milieu desquelles la petite glande est suspendue. Et d'après le traité de l'homme, qui est ici le texte capital, il est clair que l'une des images ne se forme pas sans l'autre, car dans ce traité, les esprits animaux sont présentés comme s'écoulant dans le cerveau depuis la glande elle-même, qu'il faut donc se représenter comme une source fort abondante d'où les esprits animaux coulent en même temps de tous les côtés dans les concavités du cerveau. L'image formée sur la glande est donc constituée de points déterminés par lesquels l'esprit ou les esprits en sortent. Autrement dit, par le mouvement des esprits animaux sortant de la glande en des points déterminés. Mais ça ne peut pas être le cas sans que s'ouvrent face à la glande certains pores de la superficie intérieure du cerveau vers lesquels se dirige particulièrement le flux des esprits. Et c'est là une condition tout à fait expresse d'après le texte de l'homme le premier, page 175-176, qu'il faut lire. Les esprits qui tendent à entrer dans chacun des petits tuyaux 2, 4, 6, comme les tuyaux de la substance du cerveau, et semblables, ne viennent pas indifféremment de tous les points qui sont dans la superficie de la glande H, mais seulement de quelqu'un en particulier. Ce sont ceux qui viennent par exemple du point A de cette superficie qui tendent à entrer dans le tuyau 2 et ceux des points B et C qui faudrait projeter la figure, et ainsi des autres, en sorte que au même instant que l'ouverture de ces tuyaux devient plus grande, les esprits commencent à sortir plus librement et plus vite qu'ils ne le faisaient auparavant par les endroits de cette glande qui les regarde. Et comme les diverses façons dont les tuyaux sont ouverts tracent une figure qui se rapporte à celle de l'objet sur la superficie intérieure du cerveau, ainsi, celle dont les esprits sortent des points A, B, C, la trace sur la superficie de cette glande. La question capitale, ça a l'air un peu spécial, prospectial. La question capitale est celle de savoir, mais c'est une question métaphysique, est celle de savoir si ce sont les esprits animaux provenant de certains points de la glande pyréale qui ouvrent les pores correspondants dans la superficie intérieure du cerveau et dans sa substance, les entrées des tuyaux, dont beaucoup sont les origines des nerfs, ou bien si c'est l'ouverture de ces pores qui détermine l'afflux des esprits et avec lui le mouvement de la glande. Pour les impressions des sens, il est parfaitement clair que l'image formée se transporte depuis la superficie intérieure du cerveau, où sont les terminaisons des nerfs, vers la glande. Pour simple imagination, il pourra sembler que ce soit l'inverse. Si ces imaginations procèdent, enfin, au moins pour autant que ces imaginations procèdent d'une certaine volonté. Et pourtant, en aucun cas, les esprits animaux qui proviennent de la glande ne peuvent ouvrir les portes du cerveau qui, premièrement, ne ferait pas face à cette glande, deuxièmement, ne serait pas disposé, prédisposé à être ouvert. La tendance des esprits à entrer dans un certain tuyau ne s'entend pas chez Descartes sans la tendance de ce tuyau à les attirer. Nous avons ici affaire à une causalité toujours complexe qui met en jeu sur le plan physiologique non pas du tout la glande qui est à toute seule, mais le tout de ce que Descartes appelle dans les passions de l'âme la disposition du cerveau.
et s'il existe un conflit des imaginations tel que l'admet l'article 47 des passions, celui-ci a d'emblée une dimension intracérébrale et topographique. L'expression de cet article est d'ailleurs à cet égard très, très abrégée. Donc, admettons que toute la force ou le pouvoir de l'âme à l'égard du corps dans la situation qui nous intéresse passe par un acte d'imagination avec sa dimension physique et sa réalité cérébrale. Cette imagination n'est évidemment pas formée sans une certaine volonté. Mais un autre facteur sera à prendre en compte, à savoir la coutume, l'habitude. Dans quel cas l'âme aura-t-elle le plus de chances d'obtenir le résultat cherché, à savoir éteindre ou neutraliser la passion indésirable? Il faut sans doute dire, plus l'idée, la conception ou la représentation qu'elle oppose à cette passion lui sera familière, plus grandes seront ses chances de vaincre cette passion. La force de l'idée, puisqu'il y a un sens à en parler en contexte cartésien et non pas simplement spinoziste, la force de l'idée est la force d'une certaine conviction qui, en tant que telle, a besoin d'avoir été antérieurement cultivée, nourrie par l'esprit. C'est la force d'une habitude. Et l'on pourrait dire des idées les plus puissantes que ce sont celles qui occupent la plus grande place dans l'esprit. C'est là sans doute ce que Descartes a rendu à l'article 48 des passions de l'âme, lorsqu'il parle des jugements fermés déterminés, touchant à la connaissance du bien et du mal, d'après lesquels les âmes les plus fortes ont résolu de conduire les actions de leur vie. Si ces jugements constituent les propres armes de la volonté, c'est précisément, quelle que soit ici la part de la nature, que l'esprit naturel, que les esprits, c'est précisément que l'esprit se les représente, ces jugements, et les reconnaît pour siens à répétition. Et cela n'est pas entièrement propre aux armes les plus fortes, puisque d'après l'article 49, qui suit, les armes qui sont de conditions moyennes, se conduisent elles aussi assez généralement d'après certains jugements, même si ceux-ci leur ont été au départ dictés par certaines passions. Et que les conseillers les plus habituels de l'âme soient aussi ces passions les plus fortes, c'est ce que confirmera l'article 148, avec une difficulté concernant la nature des émotions intérieures de l'âme, l'article 148 des passions que j'ai cité à propos des émotions intérieures qui, nous touchant de plus près, ont par conséquent beaucoup plus de pouvoir sur nous que les passions dont elles diffèrent qui se rencontrent avec elles. C'est le texte 7. Ces émotions ne peuvent pas nous toucher de plus près sans nous être plus familières que ces passions. Et le pouvoir qu'elles ont sur nous est à caractère inertial, c'est-à-dire elles nous maintiennent dans certaines pensées, en excluant d'autres pensées, ce qui est déjà chez Descartes une physique de la force des pensées. Le point principal sera toutefois le suivant, c'est que l'habitude ne peut pas être constituée dans l'âme sans l'être aussi dans le cerveau. Certes, dans les jugements sur le bien et le mal, et aussi dans l'appréciation que fait l'âme de son propre état et qui est l'essence de des émotions intérieures, il n'entre pas de pur entendement. Mais la matière des jugements dont il s'agit dans l'article 48 est bien loin d'être purement intellectuelle, et même si les choses dont il s'agit ne sont pas directement des objets d'imagination dans ces jugements, elles sont impossibles à détacher de l'expérience de certaines émotions, et elles prêtent par excellence à une figuration symbolique, les deux conditions étant sans doute liées. Ainsi, les conceptions dont il s'agit ne peuvent avoir, les conceptions dont il s'agit ne peuvent avoir une telle place dans la pensée sans que certaines imaginations correspondantes soient fermement établies dans le cerveau. Et c'est ici donc que nous rencontrons la disposition du cerveau, c'est-à-dire le système de connexion virtuelle qui fait que telle impression des sens réveille telle représentation et se trouve suivie de telle réaction motrice. La question étant, y a-t-il une relation et laquelle entre cette disposition du cerveau et ce que Descartes
handicap appelle la force de l'âme. On lit à l'article 36, des passions de l'âme toujours, avec l'exemple de l'animal dont le surgissement cause une passion violente, c'est le texte 9. Si la figure de cet animal est fort étrange et fort effroyable, cela excite en l'âme la passion de la crainte, et ensuite celle de la hardiesse ou de l'épouvante, selon le divers tempérament du corps ou la force de l'âme, et selon qu'on s'est auparavant garanti par la défense ou par la fuite contre les choses visibles auxquelles l'impression présente un rapport, car cela rend le cerveau tellement disposé en quelques hommes que les esprits animaux se rendent de là pour partie dans les nerfs qui servent à tourner le dos et à remuer les gens de cuir et partie, etc. Qu'est-ce exactement qui rend le cerveau disposé de telle manière? Le texte Descartes n'est pas tout à fait clair. Il y a une répétition malencontreuse, cela excite car cela rend, etc., qui peut prêter à confusion, mais sur le fond, je ne crois pas qu'il puisse y avoir du doute. C'est ce qui dispose le cerveau de telle ou telle manière. Ça n'est pas la figure de l'animal, c'est l'ensemble des facteurs antérieurs qui doivent ici entrer en jeu. Et on lit, je reste un peu plus loin, à l'article 39, c'est le texte 10, la même impression que la présence d'un objet effroyable fait sur la glande et qui cause la peur en quelques hommes peut exciter en d'autres le courage et la hardiesse, dont la raison est que tous les cerveaux ne sont pas disposés de la même façon et que le même mouvement de la glande qui en quelques uns excite la peur fait dans les autres que les esprits entrent dans les corps du cerveau, qui les conduisent, etc. Donc, dans ces conditions, la force de l'âme peut bien être un facteur indépendant. L'article 39, que je viens de citer, l'a fait plutôt apparaître comme un facteur intégré à la disposition du cerveau. Ça signifiera qu'en règle générale, l'action de l'âme se tient dans les limites de cette disposition et qu'elle a très généralement un caractère habituel, avec des exceptions qu'il faudra soumettre à discussion. Dans les cas exceptionnels, s'il faut en admettre, est-ce en effet l'esprit qui se libère de sa propre coutume, ou bien le corps qui se trouve dans une autre disposition qu'à l'ordinaire, ou bien encore, le fait est-il que des circonstances particulières rendent la reproduction des habitudes absolument impossible. Il convient cependant de mesurer les implications d'une telle proposition, qui semble nous diriger droit vers une forme de naturalisme avec une entière dissolution de l'action de l'âme, du moins sur son versant pratique, l'entière dissolution de l'action de l'âme dans une certaine économie comportementale. Se pourrait-il que le volontaire chez Descartes se résolve dans l'habituel et que ce à quoi l'âme elle-même tend ou ce qu'elle entend faire prévaloir en telle ou telle rencontre soit intégralement prédéterminé dans la constitution du composé humain. Alors il existe à ce sujet un texte remarquable sur lequel mon étude a été reprise notamment récemment par Frédéric de Buzon. Il s'agit de la préface du traité inachevé de 1648, la description du corps humain, texte qui porte d'abord sur les mouvements involontaires en tant qu'il marque les limites de l'efficacité de l'âme. J'en avais discuté un jour avec Dan Carter, il faut reprendre la question. Descartes écrit, c'est donc le texte 7, hein. Nous pouvons voir que lorsque quelques parties de notre corps sont offensées, par exemple quand un nerf est piqué, cela fait qu'elles n'obéissent plus à notre volonté ainsi qu'elles avaient de coutume, et même que souvent elles ont des mouvements de convulsion, qui lui sont contraires. Ce qui montre que l'âme ne peut exciter aucun mouvement dans le corps, si ce n'est que tous les organes corporels qui sont requis à ce mouvement soient bien disposés. Mais que tout au contraire, lorsque le corps a tous les organes disposés à notre mouvement, il n'a pas besoin de l'âme pour le produire. Rien là qui ne soit conforme à d'autres développements cartésiens, de même que la suite de la phrase est ce qui montre que, par conséquent, tous les mouvements que nous n'expérimentons point dépendre de notre pensée ne doivent pas être attribués à l'âme, mais à la seule disposition des organes. Jusque-là, nous sommes dans le classique. Mais il y a une petite proposition qui reste étonnante.
qu'eux-mêmes, ce qui montre même que les mouvements qu'on nomme volontaires procèdent principalement de cette disposition des organes, puisqu'ils ne peuvent être excités sans elle, quelque volonté que nous en ayons, bien que ce soit l'âme qui les détermine. Dans l'étonnant ici, qu'il y a une sorte de renversement dans la primauté causale, les mouvements qu'on nomme volontaires, écrit Descartes, ne peuvent être excités sans une certaine disposition des organes, sans doute, mais le « ce sans quoi » ne suffit pas en principe à désigner cette disposition comme la cause principale de ces mouvements. Or, c'est là que le pas est franchi, c'est le pas franchi. Ces mouvements, écrit encore Descartes, procèdent principalement de cette disposition, et l'âme, qu'on croirait être avec sa volonté la cause principale ou du moins la plus élevée de ces mouvements, ne fait que les déterminer. À ce sujet, écrivait récemment Frédéric de Mouzon, la disposition des organes est une condition nécessaire de ces mouvements, des mouvements dont il s'agit, mais elle paraît aussi une condition quasi suffisante. Alors pourquoi Descartes va-t-il jusqu'à présenter les choses ainsi? Ça restera difficile à indiquer. Quoi qu'il en soit, ce qui vaut pour les mouvements volontaires simples et caractérisés, par exemple lever le bras, doit également valoir pour toute action que l'âme voudra induire dans le corps, y compris l'extinction d'une passion déterminée. Que veut dire alors que l'âme détermine ses mouvements? Il n'y aura guère à cette question que deux réponses. Ou bien l'âme choisit entre des possibles physiologiques et peut-être entre deux tendances prédéterminées dans le corps. Elle exerce alors sur le corps une action aussi petite qu'on voudra, puisque nous savons que chez Descartes, une petite action dans un système mécanique, par exemple dans la répartition cérébrale des esprits animaux, peut grandement changer l'effet global. Ou bien l'âme se contente d'élire pour elle-même ou pour le composé qu'elle forme avec le corps, dans une simple pensée d'assentiment ou d'authentification, ce qui constitue à un moment donné la tendance prévalente du corps, cerveau bien sûr inclus, ou l'objet de cette tendance. La première hypothèse est celle que j'ai privilégiée dans l'étude que j'ai signée avec Frédéric. Elle est conforme à certains schémas cartésiens, notamment le système hydraulique du traité de l'homme, le fontainier, et elle a l'avantage de réduire la réalité physique de la force de l'âme à une quantité infinitésimale. Elle a toutefois l'inconvénient de laisser subsister le principe de cette quantité physique dans des conditions qui sont physiologiquement peu claires. La seconde hypothèse a l'avantage de faire disparaître, si l'âme ne fait en sorte qu'actualiser pour elle-même, sur son mode propre, une tendance inscrite dans le corps. Cette seconde hypothèse a l'avantage de faire disparaître le problème physique, mais elle ôte à l'âme toute action véritable sur le corps, et cela selon un schéma moins occasionnaliste que paralléliste, ou d'harmonie préétablie. Elle donne au verbe déterminer un sens exceptionnellement faible en contexte cartésien, et elle laisse paradoxalement subsister, pour autant que le propos cartésien peut s'y étendre, le problème du combat contre la passion présente, avec cette fois le principe d'une division de la disposition du cerveau, ou encore d'une disposition des organes qui contrarierait une autre disposition des organes. Entre les deux hypothèses, j'en termine bientôt, il n'est pas sûr qu'on puisse pencher. Non seulement le texte de la description du corps humain ne dit pas un mot du cerveau, ni de ce qui s'y passe en cas de mouvement volontaire, mais la représentation cartésienne du cerveau, quels que soient les appuis qu'elle a cherchés dans l'observation anatomique, la représentation cartésienne du cerveau reste d'essence très schématique, et peu propre à rendre compte de processus complexes. Ainsi, l'explication du mécanisme du ressouvenir à l'article 42 des passions reste très peu précise. C'est le texte 11. Lorsque l'âme veut se souvenir de quelque chose, cette volonté fait que la glande se penchant successivement vers divers côtés pousse les esprits
vers divers endroits du cerveau jusqu'à ce qu'il y rencontre, jusqu'à ce qu'il rencontre celui où sont les traces que l'objet dont on veut se souvenir y a laissé, au moyen de quoi il excite un mouvement particulier en la glande, lequel représente à l'âme le même objet et lui fait connaître qu'il est celui-même auquel elle pouvait se souvenir. Je pourrais faire plus clair. Sous ce rapport, revenons à l'idée que l'action de l'âme dans le corps consiste, l'action de l'âme dans le corps consiste exclusivement à titre immédiat dans la production, dans un acte dit la production d'une imagination. L'acte d'imagination. Que dira-t-on du processus ou de l'événement cérébral immédiatement lié à l'acte d'imaginer ? Pour reprendre l'expression de la description du corps humain, est-ce du corps, avec la disposition du cerveau, ou de l'âme, avec sa volonté, que cette imagination dépend principalement? C'est à cette question qu'il faut sans doute renoncer à répondre. Les éléments de cette imagination doivent bien sûr être présents dans le cerveau, mais est-ce que l'effort pour imaginer peut relever du corps lui-même? Cela se laisse difficilement concevoir. En réalité, sauf dans les cas les plus simples de la sensation et pour partie de vos souvenirs, nous ne savons pas du tout comment une image se forme dans le cerveau cartésien. Ce cerveau est propre à la transmission et à la réactivation d'impressions d'objets, impressions d'objets qui sont aussi, comme Spinoza le comprendra, des affections du corps et des traces de ces affections. En revanche, le cerveau n'est pas propre à retenir les traces de tous les éléments de nos pensées et il ne permet en aucune manière de se figurer l'équivalent de la réalité physique. On n'arrivera pas à se figurer en sous forme cérébrale l'équivalent ou la réalité physique d'un processus de pensée tant soit peu complexe, ni même de la plus simple réflexion. Il faut donc enregistrer cette limitation principe, l'impossibilité d'imaginer une forme cérébrale pour ce que le Hobbes Léviathan, chapitre 3, nommera le discours mental. Et cette impossibilité, ainsi que la conviction que les différences proprement intellectuelles entre pensée, émotion, proposition, sont impossibles à traduire en termes physiques, ces deux données conditionnent bien évidemment la conviction cartésienne qu'un grand nombre de nos pensées se produisent dans notre esprit sans le secours de l'imagination. Mais ça n'empêche pas que, pour tout ce qui se rapporte à la conduite de la vie, des structures cérébrales soient fixées. À savoir en tant que cette conduite se rapporte à des objets qui nous importent et qui ont dû laisser des traces physiques en nous. Réserve faite donc de la part de la curiosité intellectuelle, ces objets qui nous importent sont relativement fixés et en nombre limité, conformément à la capacité du cerveau comme organe de la mémoire, une certaine mémoire, la mémoire corporelle. En ce sens, nonobstant l'usage du libre arbitre tel que Dieu nous l'a donné, et à propos de quoi dont il s'agit comme des cartes par le potestas, lui-même, je crois que Alberto reviendra sur ce point, nonobstant l'usage du libre arbitre tel que Dieu nous l'a donné, il n'est pas faux, il n'est cartésiennement pas faux, que dans un très grand nombre de nos actions, nous soyons quasi automates, même s'il ne sera jamais concevable que nous le soyons entièrement. Restons-en donc à cette idée, il n'y a pas de pur pouvoir de la pensée, ce pouvoir, là où il semble se marquer, tient en réalité dans une mesure irréductible à la solidité d'une structure qui a sa dimension corporelle. Visto
diciamo, apposto una serie di questioni che diciamo, si trovano quando a partire dai testi dove testi diciamo della fisiologia cartesiana, non so, si va al rapporto, insomma, e il tema dell'anima del corpo, quindi quali sono i problemi che vengono posti, che sono complessi, io poi avrei un po' una piccola suggestione, però voglio, diciamo, per cominciare, dare la parola a chi, prego, va a passare, che io non so se ho detto lei. Veniva da Bologna all'inizio. Sono qui con voi. Si può fare le domande in italiano, ma non sì. Troppo... Parlando chiaro. Parlando chiaro. Sì. No, merci beaucoup pour la société. Vraiment très intéressant. Grande question. Suggestion, je ne sais pas. Donc, vous avez parlé de la force du corps d'agir sur l'âme. Et bien sûr, il y a la force des sensations, ça c'est sûr. Mais Descartes, dans une lettre à Régis, il parle d'une force végétative aussi. Oui. Donc, ma question est, est-ce que, d'après vous, il y a aussi une connexion entre la force végétative, donc entre les opérations digestives et la pensée? Vous avez parlé aussi de la disposition des organes. Est-ce que j'ai une connexion? Avez-vous trouvé quelque chose? Je vois, merci Fabrizio pour cette question qui se rapporte directement à vos préoccupations. Oui, bah, c'est-à-dire que la question, c'est notamment la question du régime physiologique lié à aux dispositions morales. Et ça ne nous donne pas beaucoup d'explications à ce sujet. Il y a d'ailleurs un célèbre cas dont j'avais traité lors d'une précédente intervention qui fait problème, c'est celui de la princesse Elisabeth, qui est à la fois dans la meilleure disposition morale possible, et puis de santé très fragile et avec beaucoup d'affection du corps, qu'il faut soigner, du genre qu'il faut soigner. Je dis que ce cas est particulièrement problématique parce que Descartes tend à concevoir une corrélation entre le meilleur régime moral et le meilleur régime physique. C'est la grande santé nietzschéenne qui admet aussi ses complications. Bon. Bon, c'est aussi conforme à un certain modèle classique de Descartes qu'on fait pour reprendre, même si ça n'a encore plus sa mort. Mais c'est vrai que vous avez l'article 160 du traité des passions sur les passions d'orgueil et de générosité qui évoque un certain mouvement des esprits animaux, un mouvement ferme et constant dans les âmes généreuses alors que dans les âmes orgueilleuses il est très très accidenté, et on se dit qu'il y a un substrat végétatif pour cela. C'est-à-dire ça tient au tempérament du corps, du sang, des esprits animaux, et sans doute, alors quand Descartes conseille à Elisabeth d'aller aux eaux de Spa, enfin, dit, vous avez bien fait d'aller à Spa, et vous pensez, vous prendre l'air, vous pensez aux oiseaux, etc. C'est aussi pour que ces fonctions végétatives se mettent en optimisation des
crois que je vois qu'il y a une relation, enfin, il y a cette relation, on ne peut pas manquer de remarquer, je me dis, il y a des formules de l'entretien avec deux mois en fonction de l'accord, et donc ça milite en faveur d'une intégration, en faveur de l'intégration entre ce qu'il appelle la force de l'âme. Et une certaine disposition physique. Mais il ne faut pas en même temps dissimuler la difficulté du problème. Merci. Faccio che il professor Mischini, il professor Carpe, il professor Pasini. Prego, Franco. Devo fare una. Parla piano. Un'aggiunta, diciamo, che può completare la risposta. C'è l'importanza del sangue, sì. E questa è veramente decisiva, e allora ci sono quegli organi, diciamo, che in qualche modo contribuiscono alla produzione del sangue, quindi che costituiscono anche delle riserve di sangue, come la milza, il fegato, ovviamente non è più il fegato emapoietico, perché ma c'è la circolazione del sangue, però il sangue che va al cuore, a seconda che proviene maggior parte dal fegato, dalla milza, ecco, porta, diciamo, nella produzione poi degli spiriti animali delle diversità, quindi l'aspetto vegetativo allora da un punto di vista della digestione sicuramente è importante. Del resto ci sono malattie tali, no? Sarà proprio la principessa Elisabetta a far notare come sì, Epicuro durante gli attacchi di Renella riusciva a essere calmo e rassicurare gli amici, però questo è solo dei filosofi, sono delle malattie, quindi, perché non è solo una disposizione degli organi, ma è anche il temperamento, quindi la costituzione dei liquidi, appunto nella fisiologia cartesiana occorre tenere sia in considerazione i solidi e la centralità del cuore è da questo punto di vista vitale, non perché, diciamo, in realtà ci sono due centri, differentemente da Aristotele, cuore e cervello, e poi ci sono i liquidi hanno un'importanza decisiva, e i liquidi sono, diciamo, attraverso la digestione, quelli poi che contribuiscono con la formazione degli spiriti animali. Gli spiriti animali che entrano tanto nel sistema, noi potremmo dire, nel sistema senso-motorio, appunto, che è una combinazione di parti solide, appunto i filamenti nervosi, e di parti areiformi, che comunque, diciamo, liquide, che sono i non solide, che sono gli spiriti animali. Ecco, quella lettera della principessa Elisabetta, ora non ricordo, a cui Descartes risponde che in realtà ci sono, era stato un po' frettoloso nel dire che basta avere, diciamo, raggiunto una serenità, un dominio, perché ci sono delle malattie che tolgono la libertà, quindi per il filosofo è meglio morire che vivere in quella condizione, anche perché sa che poi sono anche il credente, per esempio, sarà una vita migliore. Oui, merci Franco, toutes ces indications qui concordent parfaitement avec mon approche de rendu, sont plus précises que je vais les apporter. La question, enfin,
Le problème Elisabeth peut, me semble-t-il, ne peut avoir de solution, je veux dire, le contraste entre la qualité de son, la qualité morale qui est en elle et la fragilité physique de la sienne, que si on a d'une part si on admet la pluralité de modes dans la démonstration de la générosité cartésienne, mais aussi l'idée que même si de santé fragile, il y a des sortes de pathologies auxquelles elle n'est pas sujette. Le type de passion qui rend éventuellement malades les orgueilleux, les âmes basses, les âmes orgueilleuses et basses, ce ne sont pas les siècles. Enfin, je veux dire, les affections physiques elles-mêmes et les formes de tempérament sont différentes, même si, physiquement parlant, le tempérament d'Elisabeth est un peu problématique. Mais, voilà. Merci. Excuse-moi, merci beaucoup pour votre délire. J'ai une question sur la relation entre sur la causalité du pouvoir à des corps qui causaient des sensations chez les corps. Oui. Il me semble que ce n'est pas tout à fait clair que la relation entre l'un et l'autre dans le monde tout à fait matériel. On peut dire peut-être que Dieu, c'est la vraie cause de tous les changements. Ça, c'est beaucoup controversé maintenant, mais quand même, il me semble qu'on peut dire que c'est Dieu qui cause les changements. Et donc, il me semble qu'il y a un problème quand on pense de la relation causale entre la sensation et les idées dans l'âme. Et il me semble qu'il y a trois raisons de preuve de l'existence de monde intérieur et extérieur. Ils sont un peu différents exactement sur ce point. Dans la méditation, il parle d'un pouvoir passif de sensation. Donc, on a besoin d'un pouvoir actif. Dans les principes, la version latine, il parle de que nos sensations viennent de nous, de quelque chose extérieur. Mais dans la version française, il dit que les sensations viennent de nous à l'occasion de choses extérieures. Et donc, il me semble qu'il n'était pas tout à fait sûr de dire cette situation. Oui, c'est le problème. Je n'ai pas du tout fait de place à ce problème-là qui est spécifique. Et ce qui m'intéressait, parce que l'État dit bien, nos passions ont du pouvoir sur nous, puisque nos émotions intérieures peuvent avoir plus de pouvoir sur nous que nos passions. Donc nos passions ont du pouvoir sur nous, et elles ont du pouvoir sur nous particulièrement avec leur base d'émotion physiologique. Mais pour les sensations,
perceptions, les simples perceptions des sens. Est-ce que Descartes parle de pouvoir? Je ne crois pas, et c'est pourquoi j'ai limité la question. Mais effectivement, le problème de la causalité et du mode de l'interaction se pose dans les deux sens, si interaction il y a. Pour ce qui concerne la fonction sensitive, nous avons l'institution de la nature. Donc, l'institution de la nature fait que quand quelque chose se produit dans le corps, l'âme ressent telle autre chose, telle chose qui a du rapport avec la première. Effectivement, le vocabulaire de l'occasion s'introduit notamment dans les textes tardifs de Descartes, avec la postérité que nous avons. Là aussi, là non plus, je ne vois pas la possibilité d'une résolution de la question, d'une solution véritablement. C'est-à-dire, il faut faire varier le concept de cause. Pour évidemment, Dieu reste cause première. Si quelque chose se communique du corps à l'âme, c'est seulement en fonction de l'institution de la nature, notion qui ne joue pas dans l'autre sens. Oui, c'est une notion que peut-être la causalité entre l'homme et le corps n'est pas symétrique. Non. Parce que c'est Descartes qui l'a dit que un âme peut causer des changements, oui, dans le corps. Mais à l'inverse, il était un peu. Nell'uomo è molto chiara questa simmetria, perché mi sembra che 9 volte Descartes usi non è occasione quando si tratta di del corpo verso l'anima, sì, del corpo verso, mentre invece mai quando si tratta dell'inverso. Però nelle passioni dell'anima questo, cioè questo linguaggio, questo lessico non c'è più, e appunto l'istituzione della natura, questo è fondamentale, perché tanto le passioni quanto le sensazioni non si possono spiegare al di là, perché anche le sensazioni sono una traduzione della realtà estesa. E così le emozioni. Un'altra cosa da vedere, secondo me, per le passioni è la genesi dell'abbinamento movimento e quindi corso degli spiriti animali e passione. E Descartes fa questa analisi per le passioni primitive, se non ricordo male, perché parla della genesi embrionale, cioè della genesi, quindi questi abbinamenti sono dati nei primi movimenti che avvengono all'interno del seno materno, e questo poi porta che gli spiriti percorrono le stesse tracce. Effectivement, le vocabulaire de l'occasion est présent dans les traités de l'homme très fortement, et c'est ce texte-là, et pas seulement les déclarations faites contre les justes qui, l'inéité des. C'est pas seulement le texte des Notae du Programma qui a eu cette prospérité, c'est la più forte espressione occasionalista di Descartes in una lettera, adesso purtroppo non ricordo quale, ma lì c'è proprio una, adesso la ritrovo, se nessuno di voi se lo ricorda, però posso, ancor più che nelle Notti in Programma. Sì. Io vorrei aggiungere una piccola cosa per evitare la parola, vai. Che è la seguente.
A proposito di questo rapporto anima-corpo, no? Allora l'anima che ha la forza sul corpo, il corpo che ha la forza sull'anima, quando inizia, c'è una lettera Chanel che peraltro Denis ha esaminato, che è quella del, se non sbaglio, del 1 febbraio, dell'1 febbraio del 1937, dove c'è una cosa straordinaria, cioè dice Descartes, sta esaminando, c'è un apposto che la questione qual è la natura dell'amore, cioè ha chiesto. E Descartes, quando risponde, fa una specie di classificazione, dice tante altre cose, ma questo mi interessa, fa una classificazione. Parla dell'amore, della gioia, della tristezza e dell'odio. E dice, allora, ha diviso l'amore razionale e sensuale, o sensitivo, e dell'amore razionale ha detto, a me questo non interessa. Poi parla dell'amore sensuale o sensitivo, sono termini di Descartes, e dice, all'inizio la passione nasce quando l'anima può andare in un corpo oppure no. La prima passione è trovare un corpo ben disposto, ben strutturato, e l'anima sente la gioia di trovare un corpo, perché l'anima può anche non andare, cioè Descartes, e prende in considerazione anche il fatto che i pensieri dell'anima, quelli che non sono le passioni, quindi l'anima li può avere anche se non c'è un corpo, quindi c'è un parallelismo. Quando l'anima sceglie un corpo, adesso io sto usando un termine che Descartes non dice, però dice l'anima trova gioia nel trovare un corpo nel quale può andare, nel quale può essere omitti, non pare che è questo. Quindi la prima passione è la gioia, e nasce perché il corpo è ben disposto, poi dopo l'amore nasce per l'alimento, per il nutrimento, perché l'anima, cioè questo è il primo movimento. Quindi da che cosa nasce? Dal corpo, e nasce dal corpo, da una cosa, come dire, fisica, no? Cioè dal fatto che ha un alimento che, e quindi ha un amore. Poi dopo, se questo alimento non c'è, la tristezza, se non è adeguato proprio. Il problema non è solo questo, cioè di dire ci sono questi due amori, il problema è che questo amore sensuale rimane, cioè l'amore razionale non sarà mai libero da questo amore sensuale. Quindi in questo testo, che è del 47, cioè Descartes ha già abbozzato un trascritto, un abbozzo della passione dell'anima, che noi non conosciamo, che ha mandato di scritta, qui voglio dire sempre che la soluzione sia nel senso che all'inizio, non solo all'inizio le passioni, vuol dire hanno questo, cioè questa, non questa, cioè è il corpo che uccide, no? Ma il corpo continua ad uccidere anche dopo che viene sviluppato l'amore razionale, che quindi, diciamo, è nella forma più alta che è l'amore di Dio, cioè l'amore del meglio, del meglio in assoluto, no? Perché io amo Dio e accetto tutto quello che c'è, e poi ci sono una serie di problematiche che sono, diciamo, connesse alla predestinazione, cioè tutta una serie di problemi. Il fatto è che io scelgo, cioè conosco Dio, amo Dio, quindi l'amore nasce, diciamo, in questa maniera, però anche quando si sviluppa questo amore razionale rimane questo amore che è un amore sensuale. E quindi nel 47, dopo che ha scritto, e ci sono tracce anche delle passioni dell'anima, questa sembra la soluzione, diciamo, verso la quale si orienta poi Descartes, perché di queste cose, non in questi termini tanto chiari, ma che ha letto le lettere di Chanel come ha fatto per Denis in maniera egregia, sa che dietro certe definizioni c'è questo. Questo volevo, diciamo, solo aggiungere a proposito di questa. Allora, ce qui est frappant, c'est que justement dans cette lettre, Descartes ne parle pas de l'institution de la nature. Ouais, voilà. Il y a seulement, dans le premier état de l'âme,
dans son union avec le corps. Il n'est pas prévu qu'il y ait un écart antérieur. Dans ce premier écart, quelque chose de la disposition du corps se communique à l'âme. Et dans les passions de l'âme, ça donne lieu à une explication assez problématique tout de même à propos de l'amour. Parce que Descartes dit dans l'article 102, je crois, non 107, dans cet état, c'est donc l'état prénatal in utero, l'âme, un aliment particulièrement convenable arrivait au cœur, entretenait particulièrement bien la chaleur cardiaque, le petit cœur du fœtus, et l'âme joignait à soi de volonté cet aliment, c'est-à-dire l'aimait. Donc on se demande, l'âme, quelle perception l'âme dans le fœtus peut avoir de l'aliment de la chaleur cardiaque. Là, en fait, impossible. Il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de capacité de représentation dans cet état. Il y a juste la communication d'un certain mouvement auquel Descartes ici invente un objet là où il n'y a pas de conscience d'objet. La conscience d'objet elle se développe après la naissance. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a tout un développement de la conscience empirique que Descartes admet, bien qu'il ne donne jamais véritablement de détails là-dessus. Mais ce qui est frappant, c'est que, en effet, la communication soit immédiate, et ici, il n'est pas question d'institution de la nature, parce qu'il n'est pas question de dissemblance, comme dans la sixième méditation à propos des perceptions des sens, il n'est pas question de dissemblance entre ce qui est senti et la cause physique. L'accent ne porte pas du tout là-dessus. Au contraire, on a le sentiment d'une communauté d'affection maximale. Et effectivement, ça subsistera d'une manière qui, me semble-t-il, est propre à renforcer l'idée que malgré tout, l'âme fonctionne avec le corps, cartésiennement parlant, beaucoup plus qu'on l'a longtemps prétendu. Donc pas seulement qu'elle sente ou qu'elle agisse, mais je défendrai volontiers l'idée que les pensées les plus fortes sont les pensées les plus installées, mais que cette installation suppose une sorte de. Implique la participation du corps. Chiedo scusa d'aver parlato io prima, ma sì, deve essere inserita, prego. E poi credo che chiediamo. Una questione per il movimento della simmetria. Sì. C'est absolument vrai que la symétrie de l'occasion se perd dans les passions de l'âme, mais il reste une asymétrie dans le fait que l'âme est prévalemment attribuée la force et la disposition prévalemment attribuée aux organes corporels et au corps dans son entièreté. Donc il y a aussi la asymétrie. Sur ce mot de disposition, je me suis toujours demandé si cela veut dire. Plutôt arrangement, qui serait bien cartésien, qui est la signification prévalente des Français de l'âge, ou un reflet du mot dispositif, qui est une variation de la faculté, disons, de la faculté, c'est une facultation corporelle orientée à un certain reflet, on pourrait dire. Alors, il y a plurivocité dans ces mots, peut-être. Et alors, ma question était, est-ce que la plurivocité du vocabulaire de la force aussi est
est important dans cette question que nous discutons maintenant ou non? Parce qu'il y a de la biodiversité évidente, qui est très intéressante, par exemple, parfois, des cas d'usage des forces de l'âme dans le sens de la fortitude, oui, non pas de la vis. Mais c'est important. Mais la question de la vis, par exemple, qui est parfois force, parfois faculté, une imagination, une distinction très importante. Et la question du pouvoir aussi, qui est parfois le pouvoir actif, parfois le pouvoir passif. Ce que je me demande, c'est l'importance du rôle de cette pluriversité dans la façon dont Descartes traite ce vocabulaire dans ce contexte. Je ne saurais pas. Je pense que c'est effectivement la question ultime du point de vue épistémologique. J'avouerai ma difficulté à l'affronter là dans l'immédiat. Il est vrai qu'on a plusieurs notions de la force, plusieurs notions du pouvoir, plusieurs notions de la cause. Et s'agissant de la force, oui, il y a l'implication morale qui est évidente lorsque justement il s'agit du combat contre la passion plaisante. Et jamais Descartes n'a pris la précaution de dire attention. Je prends le mot dans un autre sens. Autant dans la sixième méditation, s'agissant de la nature, il y a tout un effort pour spécifier l'acception du mot nature. C'est ce que je dis quand je dis que la nature renseigne quelque chose. Autant il est frappant que sur ces concepts, enfin, moi, il y a aussi grand travail de différenciation s'agissant de la cause, de la causalité, mais s'agissant de la force et de la disposition, vous avez tout à fait raison, nous n'avons pas d'analyse cartésienne, proprement conceptuelle, comparable à ce que nous trouvons chez deux auteurs. Notamment à la limite. Il n'y a pas d'ailleurs d'intention cartésienne de constituer un lexique philosophique même pour ce concept de base. C'est vraiment frappant. Donc je ne pourrais pas dire, je pense qu'en effet, cette notion du pouvoir de l'âme sur le corps reste relativement indifférenciée dans les textes cartésiens, et c'est la raison pour laquelle on peut essayer de compliquer les choses en allant au détail des processus. S'agissant de la disposition du cerveau, qui d'ailleurs n'est nommé exactement dans les passions de l'âme qu'à un seul endroit, c'est-à-dire dans l'article 50, qui est aussi le plus problématique du traité, avec la possibilité d'acquérir un pouvoir entier sur ses passions et le dressage des hommes qui pourraient peut éduquer les hommes comme on dresse les animaux. Qui fait ça? Dans quelles conditions? Mystère. Hein, de quelle opération il s'agit exactement? Mystère. Donc là, on a la disposition du cerveau. Ailleurs dans le traité, c'est les hommes, car elles rendent le cerveau tellement disposé que les cerveaux étant vraiment disposés, mais on n'a pas une véritable présentation de ce concept. Je crois qu'il ne s'agit pas simplement d'une disposition à. Mais qu'il s'agit aussi d'une structure dont en réalité elle
son temps, il faudrait consacrer une étude spécifique, ce qui n'a, me semble-t-il, jamais été vraiment fait à cette notion. Je ferai le projet d'une rencontre à Paris sur le cerveau cartésien je pense à quelle la contribution ici même à Lecce avec les collègues et les amis présents. Je pense qu'il y a des affaires de localisation des impressions cérébrales, de constitution de la mémoire corporelle, qui est liée à l'institution du cerveau, à des conditions d'ouverture ou plus ou moins de disposition. C'est la disposition des pores à être ouverts. Alors, on rencontre la disposition au niveau du détail. La disposition du cerveau est faite d'un ensemble de dispositions. Et puis, on a l'aspect dynamique, c'est-à-dire une explication en termes de si une impression se forme d'une manière ou d'une autre par une cause ou par une autre dans le cerveau, cela détermine tel ou tel mouvement dans le cerveau. Et donc, je pense qu'il faudrait étudier vraiment ces dispositions sur tous ces aspects, avec le côté structure et le côté disposition A, qui sont intimement corrélés. Je ne sais pas si je peux aller beaucoup plus loin pour vous répondre, mais votre question est un peu plus fondée. Merci. Noi siamo, credo, in orario, perché chiudiamo un po' sforato, non tanto. E forse lasciamo le 11, o vogliamo fare un po' di più? Forse va 11:10. Allora, sono le 11:10, ritorniamo.